19h sur Al Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition au sommaire ce soir. Accord d'association Maroc-Grande-Bretagne, la requête du Polisario de réexaminer l'accord commercial post-Brexit se solde par un échec cuisant. Le verdict de la Cour d'appel britannique confirme la validité de l'accord d'association liant les deux pays au bénéfice des populations de toutes les régions du Royaume, un sérieux revers aux ennemis de la nation. L'escale culturelle de ce vendredi nous emmène sur les pas d'une chorégraphe prodige. Nezha Rondali fait de la scène son terrain de jeu favori. Les émotions et l'ancrée des œuvres d'art dansantes est totalement improvisée. L'artiste se confie sur ses inspirations et est l'invité culture de cette édition. Sport, tennis, le Grand Prix sans l'Altesse Royale à Princesse Hélène Brième se poursuit à Rabat. Les demi-finales du Simple Dames ont eu lieu aujourd'hui, vendredi. Le ton est donné pour une grande finale italo-autrichienne totalement inédite, prévue demain. Bonsoir. À la une de l'actualité de ce vendredi, le rejet par la justice britannique de l'action pro-séparatiste contre l'accord commercial Maroc-Royaume-Uni. Un nouveau triomphe pour l'intégrité territoriale du Maroc et un coup dur asséné aux ennemis de la nation. Cette décision de la Cour d'appel de Londres ne peut plus faire l'objet d'un appel. Elle consolide les accords économiques pleinement effectifs entre les deux pays. Rachid Latsabi, Nisrine Ouzdar. Le rejet par la Cour d'appel de Londres de l'action de l'ONG pro-séparatiste est annoncé par une cour consacrant indéniablement les principes de transparence et de justice. Cette nouvelle victoire politique et économique pour le Maroc est un énième soutien international indéfectible à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Avec ce nouveau revers infligé aux ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume, le Maroc consolide fortement sa position comme un partenaire politique et économique très important pour la Grande-Bretagne. C'est une nouvelle gifle pour les séparatistes du Polisario et pour leurs alliés aussi. Une décision lourde de conséquences négatives pour tous les ennemis du Maroc. Au regard de l'aspect anticipatif caractérisant la justice britannique et la prestigieuse Cour d'appel de Londres, nous pouvons même dire que ces décisions annulent non seulement la requête déposée par l'ONG pro-séparatiste en question, mais que cela annule d'ores et déjà toute nouvelle requête pouvant être de nouveau déposée dans ce sens. C'est une immense victoire pour le Maroc. La décision de la Cour d'appel de Londres représente également une garantie de pérennité et de prospérité pour les entreprises marocaines et britanniques qui entretiennent des relations économiques et commerciales stratégiques dans des secteurs clés. Les deux parties vont ainsi continuer à commercer sereinement et à tirer profit des accords économiques stratégiques liant les deux royaumes. Plus encore, ce nouveau triomphe ouvre de nouvelles perspectives d'investissement et des opportunités d'affaires très croissantes. C'est mondialement connu. La justice britannique se distingue par sa totale indépendance. Cette décision vient donc légalement annuler toutes les actions juridiques menées contre le Maroc par les séparatistes du Polisario et par tous ceux qui soutiennent leur manœuvre. C'est une bonne nouvelle pour le Maroc et pour la première cause nationale, car c'est une décision qui vient faire barrage à toutes les surenchères et les propagandes visant à induire en erreur la communauté internationale concernant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Cette décision ne peut plus faire l'objet d'un appel et supprime ainsi de manière absolue toute nouvelle menace juridique sur les flux commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni. Il convient aussi de rappeler le similaire camouflet juridique infligé par la Cour suprême néo-zélandaise au Polisario. C'était en mars 2021. Bref, les verdicts et les rejets en la défaveur des ennemis du Maroc se suivent et se ressemblent. Et pour un éclairage sur la portée de cette nouvelle victoire du Royaume, nous avons joint il y a tout juste quelques instants depuis Londres Maître Adil Sahban, avocat au barreau de New York et Paris, associé du cabinet londonien Goldsmith Chambers. Je vous propose de l'écouter. C'est une décision qui a une portée très importante à plus d'un titre.
Tout d'abord, évidemment, dans l'ordre juridique britannique, mais également sur le plan international, dans la mesure où les juridictions britanniques se sont penchées sur des questions qui avaient déjà été soumises dans le Forum européen. Une réponse très différente y avait été apportée dans la mesure où des accords similaires avaient été invalidés. Aujourd'hui, un accord qui était similaire donc à l'accord européen, mais cette fois conclu avec le Royaume-Uni, a été validé. C'est tout à fait significatif dans la mesure où cela ouvre la porte à d'autres accords de libre-échange similaires et ça va donc fluidifier très considérablement les relations entre le Royaume et ses partenaires commerciaux. S'agissant ensuite de l'argumentaire qui avait été soumis, l'argumentaire était tout à fait spécifique, si l'on peut dire, devant les juridictions britanniques, dans la mesure où cela n'était pas l'accord directement qui était attaqué, c'était la mesure d'implémentation de l'accord dans l'ordre juridique britannique. Cependant, les juges britanniques ont refusé de considérer qu'on pouvait attaquer cette mesure d'implémentation, car pour eux, cela aboutissait de manière déguisée à remettre en cause l'accord commercial lui-même. Et donc, les juges ont considéré, assez logiquement et de manière assez classique en application des règles britanniques, qu'il n'appartenait pas à un juge de remettre en cause un accord commercial déjà négocié, déjà ratifié, selon les procédures internes en vigueur. Et donc, il y avait une problématique de séparation des pouvoirs qui se posait. Il n'était pas possible pour les juges britanniques de défaire ce qui avait été fait par l'intégralité de l'édifice institutionnel britannique. Dans le monde, les appels de la communauté internationale se multiplient pour mettre fin à l'entité fantoche du Polisario, décrite comme un nouveau foyer d'extrémisme. En Espagne, les procès pour terrorisme impliquant les séparatistes font régulièrement la une de l'actualité. La presse espagnole parle notamment de jugements d'activistes polisariens pour actes de terrorisme en Espagne. Dernier épisode de cette série effroyable, le jugement mardi par l'audience nationale, la plus haute juridiction pénale d'Espagne, d'un pro-polisario poursuivi pour avoir diffusé de la propagande terroriste à travers les réseaux sociaux dans lesquels il exprimait sa haine envers l'Espagne, une extension de la vocation terroriste du polisario qui pèse sérieusement sur la sécurité de l'Europe et le bien-être de sa population et menace les valeurs de la tolérance et du respect promues pendant des siècles. Face à la série de revers essuyés par les ennemis de l'intégrité territoriale, se succèdent les percées diplomatiques engrangées par le Royaume. À Bali, la reconnaissance des membres du comité des 24 de l'ONU pour la région du Pacifique est unanime concernant les droits légitimes du Maroc sur son Sahara. Après Antigua et Barbuda, le Gabon réitère son soutien au plan d'autonomie et appelle à la reprise des tables rondes. La Sierra Leone a salué à son tour le soutien international grandissant au plan d'autonomie. Un plein appui à l'initiative d'autonomie également réaffirmée par la Côte d'Ivoire et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La fédération de Cinque Terre Neves a également exprimé devant les membres du comité des 24 de l'ONU son soutien à une solution politique du différend régional autour du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du royaume. On enchaîne avec cette visite du groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. L'occasion pour les membres du Sénat d'admirer le rayonnement artistique et culturel du royaume en tant que vecteur de développement et un lien fort d'amitié qui unit les peuples. Samir Barka, Hanan Arsalan et Zakaria Mokinbila. Les expressions picturales arabes, dont leur diversité et leur authenticité, présentée aux membres du groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc au Sénat. Modernité arabe est le titre de cette exposition en cours au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat. Une visite culturelle de sénateurs français pour rapprocher les visions avec leurs homologues parlementaires marocains autour de thématiques culturelles et artistiques. Au moment où parfois des nuages passent, il est bon de se retrouver sur des thématiques qui font consensus. L'art et la culture en sont véritablement une preuve et nous allons à la fois avoir des échanges sur ce plan et puis bien sûr visiter ces magnifiques expositions et encore une fois saluer le rôle du Maroc qui en Afrique conduit une politique culturelle. Un rayonnement africain renforcé grâce à la politique de développement culturel national, international et continental du Royaume. Pour les sénateurs français et les membres de la Chambre des conseillers marocains, la culture est un lien fort d'amitié entre les peuples.
la culture reste toujours un élément essentiel et indestructible entre les peuples. Et aussi, comme l'a souligné M. Cambon, la culture, on la doit aussi, ce développement culturel, à Sa Majesté le Roi et à sa vision. Et je suis très heureux de voir que aujourd'hui, M. Cambon a souligné le rôle de la culture dans la compréhension entre les peuples et entre les cultures. Cette visite au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain de Rabat a également été l'occasion pour le groupe interparlementaire d'amitié France-Maroc au Sénat d'échanger avec le président de la Fondation nationale des musées sur les différents aspects culturels du pays et les diverses expositions organisées actuellement dans les musées du Royaume. Culture toujours. Pour notre escale de ce vendredi, nous brosserons le portrait d'une chorégraphe hors du commun. Elle a grandi à Lyon, à Mûri en Espagne, et elle s'est dévoilée au grand public sur la route. Elle, c'est Nezha Rondali, une chorégraphe marocaine, grande passionnée des arts de scène. Elle est aussi une artiste engagée qui croit au pouvoir de l'art pour faire évoluer positivement les mentalités. La particularité de son art réside aussi dans l'improvisation des gestes et des mouvements. Son portrait est signé Nisrine Ouzdar. Avant de plonger dans l'univers artistique qui est aujourd'hui le sien, Nezha Rondali était plutôt concentrée sur un parcours académique et professionnel. Des études en droit, ensuite une carrière classique dans une grande multinationale d'énergie solaire. A priori, tout allait pour le mieux pour elle. Mais l'artiste curieuse et libre qui sommeillait en elle a vite compris que cette vie, pourtant rose, était loin de satisfaire ses aspirations professionnelles, sa passion pour l'art, pour la danse, pour l'improvisation, pour la scène et pour les autres. Nezha décide alors de faire un grand voyage pour se ressourcer, se chercher, se retrouver et se réapproprier sa vie à sa manière. Les chemins improvisés sur des routes lointaines se révèlent transformateurs. En Espagne, aux États-Unis, en Uruguay, Nezha Rondali s'est découverte un don inné pour la scène à coup de formation avec d'immenses professeurs. Aujourd'hui, la chorégraphe confirmée qu'elle est fait de l'improvisation sans grand dada. Elle performe remarquablement là où son pas de danse l'emmène. Nezha Rondali a aussi et surtout posé les fondements d'une identité artistique singulière, celle de la voyageuse aventurière, de l'artiste passionnée et de la femme engagée qui a des cris à lancer. Dans un monde où les canons de beauté suivent une certaine conformité, Nezha Rondali fait de son art une arme contre les injonctions liées à la perfection. La jeune femme refuse les identités compartimentées, elle défend l'universalisme et les identités plurielles. On peut incontestablement dire qu'elle a tout d'un personnage d'une œuvre d'Amin Maalouf. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Nezha Rondali, chorégraphe et performeuse du Contact Improvisation. Madame Nezha, bonsoir. Merci bonsoir. D'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors, votre identité artistique est plurielle. Il est à la fois en mouvement et en construction, à l'image d'ailleurs de votre identité personnelle. Comment se nourrit l'une de l'autre ? J'ai fait le choix avec ma carrière professionnelle de créer un format qui me permet de pouvoir être en accord avec ma vie personnelle dans ma vie professionnelle. Mmh. Donc en fait, mon activité professionnelle et mon engagement artistique, il est le résultat d'un chemin qui s'est fait par des rencontres, par la rencontre d'abord du contact improvisation, alors que j'étais juriste et que j'étais dans un mode de businesswoman, travailler pour une multinationale d'énergie solaire. Et l'impact que ça a eu pour moi a été très puissant. Mmh. Et du coup, c'est la première fois où j'ai fait connaissance avec moi-même. Mmh. Et, parce que j'avais ces conflits identitaires qui m'ont guidée pendant mon adolescence. Et là, c'était quelque chose de révélateur. Ensuite, il y avait la rencontre avec le Maroc, que je connaissais depuis mes vacances d'été. Mmh. Et là, c'était... c'est quoi mon Maroc à moi, maintenant que j'ai mon corps et j'ai mon esprit, découvrir mon Maroc, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'appelle, parce que pendant mon voyage, j'ai eu un vrai appel. J'étais perdue dans l'Argentine et j'avais le Maroc qui m'appelait. Et les rencontres du yoga, de toutes ces pratiques qui me permettent d'être bien en tant que femme, en tant que mère.
Justement, cette quête de soi, vous l'exprimez aussi à travers l'improvisation. Alors, quand on parle d'improvisation, on connaît l'improvisation par les mots, où il est question de faire appel à son imagination pour dire des choses instantanément. Quid de l'improvisation par le corps, dans un espace déterminé? Autrement dit, parlez-nous des ressources sollicitées par l'artiste et du spectacle qui en résulte, finalement. Alors, le contact improvisation, il est né dans les années 70 par un groupe de danseurs contemporains qui voulaient explorer de nouvelles manières d'entrer en mouvement et de créer des spectacles. Mais il y a une grosse partie du contact improvisation qui est une pratique qui peut être vue comme sociale, physique, spirituelle. Et il y a des danseurs comme moi qui l'amènent dans un aspect un peu plus de création artistique et de spectacle. Mais j'ai quand même mis 10 ans au Maroc pour vraiment me lancer dans la création, parce que j'avais vraiment besoin d'être ancrée dans le territoire, savoir de quoi je veux parler ici, qui je suis maintenant ici, et de créer une communauté autour de cette pratique. Comme tous les arts de scène, la danse n'est pas seulement une expression corporelle ou artistique, elle est plutôt un fort moyen d'alerte, de sensibilisation quant à un certain nombre de fléaux sociaux. Vous faites de la lutte contre les injonctions à être parfait votre combat artistique. Pourquoi ce choix ? Donc, on part depuis la sensation corporelle, depuis la conscience du corps, mais dans sa diversité. Donc, pour moi, ça a toujours été important. Maintenant, je m'ouvre aussi beaucoup à transmettre à des personnes à handicap, à des personnes qui sont un peu exclues, et les intégrer dans des processus créatifs et les montrer. Il y a des projets comme Zanka Diana, qui sont des projets d'appropriation de l'espace public par des communautés ou par le public en général, parce qu'on est face à une privatisation des espaces publics. Et comment est-ce qu'on pourrait pouvoir juste déambuler, se balader tranquillement et avoir des espaces sains pour ça. Et il y a aussi des injonctions faites au corps. Donc, il y a une performance que j'ai écrite et que je viens juste de dévoiler au public, qui, parle des injonctions que tous les corps subissent. Madame Nezha Rondali, chorégraphe et performeuse du Contact Improvisation, merci d'avoir répondu à nos questions. Et l'épanouissement physique passe aussi par des infrastructures sportives de haut niveau. La Senarge en fait son cheval de bataille et devient la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs. La société s'est vue confier la gestion de nouvelles infrastructures, notamment les piscines olympiques et semi-olympiques, les cours de tennis et les salles omnisports. En vertu de la signature d'un avenant ce mercredi 24 mai à la Convention de gestion et d'exploitation des infrastructures sportives avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Sport tennis avec ce vendredi au club des Cheminots de Rabat, les demi-finales du tournoi Son Altesse Royale, la princesse Leyla Meryem. Quelles ont été les deux joueuses victorieuses qui auront le privilège de jouer la grande finale demain samedi? Réponse avec Omar Aïssa et Dominique Orlando. La confrontation 100% américaine qui s'est soldée hier soir par un tie-break au troisième set et une victoire plus qu'à l'arraché de la tête de série numéro 2 allait-elle entamer les chances de Sloane Stephens ce vendredi pour sa demi-finale face à l'italienne Lucia Bronzetti? C'est évidemment la question que tout le monde se posait et dont la réponse ne tarda pas à venir, pratiquement en moins d'une heure. Pour savoir qui devra-t-elle affronter au stade final de ce tournoi, Son Altesse Royale, la princesse Leyla Meryem, fallait-il assister au match précédent que l'on pouvait raisonnablement intituler la bataille des deux Julia, Julia Graber et Julia Riera, l'une autrichienne, l'autre argentine. Quasiment deux outsiders dans ce tableau plutôt très relevé, mais aussi et surtout vu leur parcours jusqu'à ce stade des demi-finales, deux grandes spécialistes de la terre battue. C'était un match très difficile. J'ai pourtant bien commencé. J'ai joué mon jeu, mais mon adversaire s'est bien ressaisi dans le deuxième set. Je suis heureuse d'avoir pu finir victorieusement.
witness what counts, so I'm happy that I'm through to the final. Le public de la capitale sera donc convié demain samedi à une finale totalement inédite, à laquelle personne n'aurait a priori émis le pronostic. Ce qui est sûr, c'est qu'elle viendra clôturer une semaine déjà splendide pour le tennis au féminin. Une finale donc entre l'Italienne Lucia Bronzetti et l'Autrichienne Julia Graber. Et avant de nous quitter, notez cette alerte météo. Le week-end sera pluvieux sur plusieurs de nos régions. Prévoyez de fortes averses, parfois orageuses, avec de la grêle à Tétouan, Chefchaouen, El Hoceima, Medir Fneder, Ouazzane et Taounat. N'oubliez pas de sortir vos parapluies. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal Raïssia. Très belle suite des programmes à tous sur Aloula.